Parmi eux, on distingue les gorilles, les chimpanzés et les singes proboscis, qui appartiennent au sous-groupe des primates appelés anthropoïdes. Une de leurs caractéristiques communes est d'être capable d'une grande variété d'expressions faciales. Les anthropoïdes sont même les animaux les plus doués du monde dans ce domaine. C'est la structure de leurs muscles faciaux qui leur confère cette aptitude particulière. Ces muscles, qui couvrent la face avant du crâne, sont ceux qui permettent de changer l'expression du visage. Les chiens n'ont pas de muscles faciaux développés. Les anthropoïdes sont au contraire équipés d'une grande diversité de ces muscles. La mobilité et l'indépendance de leurs différentes parties expliquent la richesse des expressions dont ils sont capables.